Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 7 mai. Allons voir les nouveautés pour cette semaine sur Pokémon Shuffle. La dernière fois que j'ai consulté mon rang dans la compétition, j'étais au rang 126. Bon, je viens de finir au rang 153. Au classement, je gagne un niveau max à la place de la Blizzardite que j'avais déjà. Et plus 2 méga turbo. Vu que j'ai terminé dans le top 700 de mon continent, je vais devoir utiliser la fonction connexion aujourd'hui. Gagner 700 pièces, oui, comme d'habitude. Bonus massuel. Ah, Pokémon du jour est arrivé. Y en a-t-il de nouveau? On va voir ça aujourd'hui. Encore des Métros qui apparaît. Forme Avatar. Ok. Amener Lagron et Sikun avec vous rendra les choses plus faciles. Utilisez une puissance pour maximiser vos chances de capturer ce Pokémon. Forme Avatar, mais je l'ai dessus ou ben je l'ai pas? Oui, il me semble que je l'ai. Ouais. Encore Krielf qui apparaît. Dardanien. Pourriez-vous vaincre dans un temps extrêmement limité? Omega Flagados vous sera d'une grande aide. Attrapez Flagados, ok, on sait déjà c'est quoi. Puis j'ai utilisé une puissance pour maximiser vos sens de capture ce Pokémon de Coriace. Excusez-moi, c'est tout. Ah, Hyporoi qui apparaît aujourd'hui. Ah, c'est fun ça. Bon, dans cette occasion de capturer ce redoutable adversaire, amenez Mascos ou Florizarre avec vous rendra les choses plus faciles. Bon, Florizarre, je l'ai mis au niveau 15 récemment. Une puissance pour maximiser vos chances de capturer ce Pokémon. Ok, parfait. Ça reste jusqu'au 14 juin. C'est ma brasse aussi, et KD aussi. Et c'est à peu près tout. Rien d'autre. La seule nouveauté pour moi, c'était Hyporoi. On va aller voir ça. Bon, 20, en 20 coups. Sacrement, ça se peut pas. Hein, j'allais réussir sans item. Il faut que ça foire. Direct là. J'étais vraiment chanceux, mais là, Seigneur, ça aurait dû finir là.
On dirait qu'il y a de la misère. Pourquoi de misère Bon, enfin. Je pense qu'on va avoir de la chance pour la fin. Oh! Oh oh! Oh oh! Hey hey! Enfin, j'ai réussi. Sans item. Bon, deux coups restants. Il fallait que j'aie de la chance avec chez Shaymin. Bon, 22%, là, c'est quand même bien. Oh, 4% pour coup restant, c'est très bon. Ok. 1, 2, 3. Il s'est capturé, yay! Avec une Pokéball. Ah. Son talent est tourbillon. Il retarde les entraves de l'ennemi. Bon. La seule question que je me pose, ok, c'est de quelle manière qu'il retarde les entraves de l'ennemi. Car quand on utilise étonnement comme pour Dimoret, ok, il fait juste paralyser l'ennemi. Je me demande s'il fait pas la même chose ou bien il retarde encore plus longtemps les entraves de l'ennemi. Comme fait Ludicolo. Il remet les entraves à plus tard. Exemple, s'il resterait un tour, ben il les remettrait à 5. Là, je me demande s'il fait pas la même chose ou il fait juste paralyser pour un tour. Car c'est ce que ça fait étonnement. Puis il y a d'autres Pokémon qui le font. Est-ce qu'il fait comme oubli ou bien il fait comme étonnement? Ça, c'est quelque chose que je me pose. Donc voilà pourquoi il est capturé. Bon, ben ça surtout pour le moment. On se rejoindra un autre jour pour d'autres vidéos sur Pokémon Shuffle.